pour lutter contre les allergènes à l'intérieur de la maison, naturellement, il va falloir aspirer. Parce que la poussière, c'est le facteur, enfin, disons, aggravant. On va aspirer quoi ? On va aspirer les poils, les micro-poussières. Donc, un aspirateur qui va avoir une filtration absolue va permettre justement d'aspirer toutes ces micro-poussières. Ce sont des micro-poussières qui vont au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, donc si on aspire avec des aspirateurs qui sont en filtration absolue, on va diminuer ces micro-poussières au niveau de l'air et on va empêcher justement de ces micro-poussières d'accéder aux alvéoles pulmonaires pour créer ces sensibilisations. Je pense que la fréquence d'aspiration dépend uniquement du taux de pollution dans l'environnement dans lequel on se trouve. Si ça peut être une pollution conjointe urbaine, donc parfois c'est vrai qu'il faut aspirer tous les jours. Quand une personne est allergique, qu'est-ce qui va passer tous les jours à l'aspirateur ? C'est-à-dire il va traquer la poussière pour essayer justement d'en retirer le maximum. Si jamais la sortie de l'aspirateur ne fait pas une filtration, enfin disons haute efficacité comme une filtration HEPA, il va se passer un problème majeur, c'est que toutes les micro-poussières vont être relarguées dans l'atmosphère. Donc il faut nécessairement, dans un milieu où une personne est asthmatique, avoir l'aspirateur à filtration absolue.